a changé. Ah, papa, on est là, non, dans la vie, il y a un moment de prendre conscience. Moi, j'ai pris conscience que non, tous les migmas qu'ils faisaient au quartier n'étaient pas bien. Je te demande un pardon, parce que les problèmes que moi, j'étais boblé là, moi, je regrette ça, je viens de suivre par ma vie. Donc, ils travaillent déjà comme ça. Là. N'est-ce pas? Et, ça, et c'est quelle tenue? Je suis agent de recensement. Nous, au quartier, on recense certains où est passé la loi en train de voler dans l'État pour vulguer certains lois là-bas. Donc, j'ai ça en solo. Ok, félicitations. Merci, papa. Tu n'es pas comme le fainéant de mon fils qui est là, de ton ami. Non, non, ça va aller. C'est la jeunesse. Il n'a pas encore compris. Le juge va faire la cellule 2 jours, comme moi, il fait la prison là. Il va respecter le code. Tu as fait la prison? Non, il dit non, la prison quand on joue au Ludo. Ah. Ouais. Et... au Lido. Ouais. Soyez. Enfin, non, ouais. Ça va, papa. Et... j'ai vu tes amis là, tes amis qui désormais t'attendent là-bas en bas. Oui, oui, je vais prendre un petit verre là. Mais papa, si tu veux boire le matango, c'est pas bon ici à côté. Il faut partir en bas avec la soude là. Tu pars loin là-bas en bas là. La maman là, elle a baissé les prix, ça se termine, c'est bon là-bas. C'est ça. Et depuis là, tu ne me donnes rien. Non, ça finit derrière le père. Il vient te donner quoi? Le père part, il va te couvrir en bas. N'est-ce pas? Oui, descend. Tu pars en bas, loin en bas là. Mm-hmm. Oh. Il est là. Oui, le père, tu perds le temps, il faut partir. Il est là. Il part. D'ailleurs, j'ai même beaucoup d'argent à aller récupérer. Oh, pâté! Et tu as quand même des sympas à la maison, non? Oui, oui. J'ai. Enfin, bref. Oui, quelque part. Ouais, c'est important. Il y a un petit 50 000 francs. Oh, là-bas. Faut pas marcher tout l'argent gratuit. Non, hé, hey, ouais. Non, pas tes descends. Il faut être prudent. Oui, ça va aller. Papa, vas-y. Oh, maintenant, non. Perica, tu vas respecter les conseils. Fire. Au lieu d'aller boire son ventre tranquille, il me casse la tête avec les bêtises. Je n'ai jamais vu un père comme celui-ci. Voilà le père de Ndou à côté qui fait tout pour ses enfants. Il me casse les oreilles chaque jour avec les mêmes bêtises. Quand il touche un peu d'argent, il fait 2 semaines en ville, 2 semaines pour revenir sur le village. Et quand il vient, il casse les oreilles à tout le monde. Il va travailler. Coq. Mon frère, il me casse pas les oreilles. Assez, Moula. Toi, tu as les paroles avec la foule, le coq vient chercher comme ça, non, Moula. Gars, mon type, tu ne sais pas. Les gens ont les problèmes ici dehors. Tu te racontes la vie de mon père et moi. Tu vas vouloir changer de père. Gars, moi là, tu sais que nous on est ici au quartier fort. Quand je fais vous allez soigner vos petits frères, mais si là, moi, je y a, mais je vais te dire, ouais. Ce que je vais te dire, c'est que dans la législation, la nouvelle loi dit, quand la loi dit, ça ne manque pas. C'est que normalement, là, quand ton père died, c'était le successeur. En bon? Et ce que tu n'as pas, c'est que toi, ton pater nous parle, nous les jeunes du quartier. Ton pater, c'est un modèle. C'est comme ça qu'il est. Et ce qui m'a dit, c'est que tu es son successeur, tu es dans son testament. Ah, c'est ce qu'il raconte faut à tout le monde. Faut faire attention, Mola. Les problèmes de l'intérieur, il ne faut pas exposer ça dedans. Parce que les problèmes de dedans ne doivent pas caler dehors. Je dis même quoi, Gamon. Bref, ce que je veux dire, c'est que les problèmes de famille, non. C'est les problèmes de famille. Entre-temps. Tu es là pourquoi? Parce que ma tête chauffe déjà comme tu me vois. Donc je veux pas le bavardage là, le boubier que tu me racontes là. Va à l'ombre au fait, tu es là pourquoi? Moi là, c'est pas le boubier. Ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu faire mon travail. Parce que il y a une nouvelle loi qui est en train de dire que normalement, tout habitant de ce village, tu dois déclarer ses biens. Parce qu'en fonction de vos biens que vous déclarez, il y a des bonus au niveau de la taxe foncière, la taxe administrative, on va vous choco et tout. Parce que là où tu es là, tu as le master là. Mais tout le village c'est que j'ai le master et puis quoi? Non, tout le village c'est que tu as le master, mais tout le village n'est pas que depuis tu fais les concours, tu ne ruines pas parce que le pater n'a pas encore déclaré ses biens. Et ça, c'est bon. Sérieux. Donc, et ça se passe au Cameroun? Non, laisse. Donc l'administration a dit que nous les jeunes comme ça, on maîtrise le quartier, on a fait nos examens, on a testé, on a dit que nous, on doit venir comme ça pour réunir les. Oui. Donc on va commencer par un questionnaire rapide, hein, Mola. Vous avez un véhicule à la maison aussi? Non, on n'a pas de véhicule. Vous n'avez aucun moyen de locomotion, il n'y a rien qui roule. La seule chose qu'on a dans cette maison, en fait, la seule chose qu'il a acheté, il boit son vélo. C'est une vieille brouette là-dedans. Une brouette? Une vieille brouette. Mais quand la brouette, c'est une voiture. Avec mon lasso, un peu, si on va analyser. Attends, c'est d'abord pourquoi? C'est le ressentiment. Quand on passe comme ça, tu devais ressentir qu'on est passé. Le recensement, tu veux dire? Oui, c'est ça. Sors la brouette avec. Je sors la brouette. Oui. On recense la brouette. Gamon là, on n'a pas fait le temps, on a seulement 5 minutes pour recenser. Mais on recense d'habitude, on recense la population et non. Ben, je ne comprends pas.
populations matérielles vont de polyvalence. Bah, s'il n'y a pas la population. De toute façon, ça va, ça va, ça va, ça va. Parce que le type là, il faut pas qu'il vienne encore me casser la tête que les gens sont venus, je n'ai pas géré. Je vais envoyer ça dire, oh, tu vas partir avec si tu veux. Un système 4KD, on doit check up ça. Non, ça va, c'est pas... La brouette a quelle couleur? Comme tu vas déterminer la couleur. Une brouette qui est achetée à 72, depuis là, il ne change même pas une brouette. Non, ça c'est bon, c'est le bon. Ça va aller. Regarde ça ici là. Oui. Ça va. Oui, c'est bon. Ferme la porte. Attends un peu, attends. Non, ne ferme pas la porte. Je dis, quand vous avez la brouette comme ça là, est-ce que vous avez donc un moyen de vous informer pour savoir les nouvelles lois, les nouvelles procédures, les nouveaux codes pénaux ou pénal, je ne sais pas. Hein? Un code pénal, code pénal, ça va avec. Vous avez un moyen d'information, à part la presse. À part la presse. On a quand même une vieille télé là. On a une vieille télé. Non, que ce soit vieille ou pas, on voit des nouvelles là sur sa porte, Mola. Donc ça dira même si elle est vieille. Gars, Mola bring ça seulement. Ok. Que ce soit les vieilles. Il n'y a pas de problème. Moi, je coopère. Nous qui avons fait les études, là, on ne dérange pas les admissions. Ah, moi, là, qu'elle m'avait, ton père dit qu'elle était recensée. Je suis à la télécommande. S'il y a le carton, tu mets tout dans le carton. Non, il n'y a pas le carton. Bring comme ça, là. On va cartonner ça dans la tête. Oh, Mola, ça, c'est ça qu'il faut. Il faut déclarer. Pose ça doucement. Voilà, il y a l'antenne. Il y a la télécommande. Là, pose la télécommande. Il y a l'antenne de ça. Non. On a le câble. Bon. Donc maintenant, attends. Quand tu as un écran comme ça, là, normalement, la loi stipule que pour éviter les nuits au voisinage, tu vois, non? Il faut qu'on se rassure que vous avez des baffes. Il y a les trucs comme le ouf, comme ça, là, pour animer et tout. Ouf. Oui, les baffles qu'on anime souvent, qu'on voit sur les DVD, là. J'ai un souci. C'est quoi? Pourquoi tu ne recenses pas le nombre de personnes qui vivent dans la maison? Mola, tout ça, ça va impacter sur le recensement. Non, c'est... Gars, tu m'apprends mon work. Gars, ça va, hein? Moi, il n'y a pas de problème. Tu veux pas que moi, il work. Moi, il y a c'est même quoi? Non, ce n'est pas... C'était juste une préoccupation. Non, Mola, gars, un homme ne pose pas trop de questions, un homme agit. Apporte les baffles, tu fais le bruit comment? Gars, faut faire comme Woodman, hein? Non, ça va, je ne veux pas épargner mon père. Je suis là pour tchaka mon ouais, tu vois. Non, ça va. Mais si on sait un téléphone, si y a le téléphone, tu viens avec. Un téléphone, viens jouer comme ça, un laptop. Bring. Non, on n'a pas les laptops. Ouais, bring ce qu'il y a. On a les anciens. Oh, les ouf, pose le ouf. Gars, mon là, le fil là peut se déchirer. Bon, pose ça tranquillement. Ça, c'est ma. Ouais, propre. Il y a pas un téléphone comme ça, un téléphone. Bah, il y a un Toronto là, il sait pas ça. Non, apporte, moi là, apporte. C'était posé quelque part là. C'est un petit Toronto, le prix de 8500. Non, mais c'est combien bring, mon frère? Mais finalement, votre recensement devient. Mola! Ne vise que les appareils. Dis-moi ça! C'est ça que tu dis que c'est un Toronto? Un téléphone Go Africa? Les CSIPV, ça se décharge jamais. Ton pâté, c'est un connaisseur. Fais ton travail. Déjà, si on trouve dans le sac, Mola, on doit protéger ça. Hey. Attends. Ouais, d'abord. En crétin, il ne sait pas. Maintenant qu'on a tout ça, pour avoir ça, maintenant la balance Robert-Vial de la, du financement de la maison. Balance Robert-Vial du financement de la maison. Cela nous dit si. Balance Robert-Vial. L'esprit, c'est le détail technique. Est-ce qu'il y a donc un statut financier qui vous permet de gérer ça? Est-ce qu'il y a l'argent dans la maison aussi? Je pense quand même que le vieux a laissé une enveloppe. Je pense qu'il y a une enveloppe. Apporte un peu. Normalement, la voleuse doit avoir les 10 000 dedans. Bring un peu l'enveloppe. On doit recenser parce qu'il y a beaucoup de distractions de fonds ici-là. Les détournements et tout, c'est dangereux. Bring un peu l'enveloppe. Donc, là, ne perds pas le temps. Il faut faire. Il y a beaucoup de maisons à recenser. La fouille même sous l'oreille, pour que tu n'y aies la veste qu'il avait hier, tu fouilles là. Tiens, non, fouille bien. Soit dans la veste qu'il avait hier, soit en bas de l'oreille, ou bien sous le matelas même, tu fouilles. Si toi, tu n'as pas de dos, on rajoute sur ça, on va vous payer ça avec les bonus. Je dépose dans la boue. Non, aide à brûler comment?
on va l'analyser, pas y a soit les faux biais. Tu as fait une bonne tennis quelque part, une bonne tennis. 42. Pour recenser aussi. Ouais, parce que quand parfois il y a les agressions, les cambriolages, quand les enquêteurs viennent comme ça, on y a les empreintes que vous avez laissées et tout, donc c'est ça. Mais non, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, enquêteur, vous êtes combien à la maison? Nous sommes deux. Deux. Comment ton pâté et toi? Seulement deux. Nous ne sommes pas. Hé, hey, Mola! Tu n'as pas. Quoi encore? Tu n'as pas que le WC est interdit par la loi? On a dit qu'un civil ne doit pas porter les habits des militaires. Tu portes quoi comme ça, petit mais frère? Est-ce que tu es habilité à saisir les trucs des militaires? Petit frère, habilité ou pas habilité, tu es en train d'inviter Longas dans la carte. Donc, petit frère. Mais je pense quand même qu'il y a un moyen de récupération. Moyen de récupération, on n'a pas encore signé la loi là. On sait sans qu'il y a le moyen de confiscation. Donc, en crétin, petit frère, moi je vais te dire qu'il faut que je te batte dans la vie, tu vois, non? Moi, quand tu vois là, la société où je work là, c'est une société qui permet aux jeunes de s'auto-employer, de trouver comment abattre leur destin. Attends, ne tirons pas de long en large. On te paye même combien tout ce travail que tu fais là? Petit frère, là, je vois ce qu'elle n'aime pas parler. Je suis à un bâton par mois. Quoi? Un million. Un million de francs CFA? Petit frère, te dit non. Ce n'est pas possible. Là, je suis là. Et je fais quoi ici? Petit frère, dans la caille. Petit frère. Attends, d'abord. On fait comment? Quand il part, tu te tais d'abord. Quand il t'explique les ways, tu es bête même comment, non? Dans la carte. Là, tu es là, tu bavardes. Go chercher ta carte d'identité, non? Tu go faire la photocopie, tu reviens, il va gérer ça. Ok, gars, merci d'avance. Petit frère, merci, et... petit frère. Go chercher. Non, j'ai fait vite la photocopie, je petit reviens. Petit frère, cours. Petit frère, cette histoire là. Tu es nouveau, tu vas avoir même 800 000 comme ça là. Par en banque. Oh. Moi je suis un messie. Vraiment, tu es un messie. Quand j'ai vu. Cours, moi là, la photocopie là, elle a fermé. Bon, tu m'attends, hein. J'ai deux minutes. Ouais, cours, moi là. Mais il faut en faire 4 photocopies comme ça là. Non, même. Fais 20 photocopies pour les dossiers. On doit s'aimer mon steak. Son amos me tombe, et vous va mal. Dès qu'il vient fouiller, il vous donne de mal. Dès qu'il s'est réalisé dans le poème, pas une épise, on amos, pas que me fait la connerie, me gâte. Ah, tombe de mal. Don't let them out, come let them out, my super cat's out. Oh, yeah, don't let them out, come let them out.